J'exerce le métier de TIM, technicienne information médicale, et je travaille en collaboration avec le médecin DIM. Ma fonction principale est de collecter les informations et de les tracer. Je vérifie également la cohérence des actes médicaux avec les diagnostics. Ainsi se traduit l'activité médicale de l'établissement de la clinique à travers des systèmes de codification. C'est à partir de ces données contrôlées et validées par le médecin DIM que l'établissement pourra se faire rémunérer par l'assurance maladie. Alors, ma formation de TIM, je l'ai effectuée sur une durée d'une année à l'école privée des TIM, dépendante d'un groupe hospitalier. Cette formation est également dispensée dans certaines universités après un bac plus 2. Les qualités du TIM sont avant tout une rigueur constante, une capacité d'analyse et de concentration, bien connaître également les termes médicaux et l'anatomie. Il faut être capable également de s'adapter aux nouvelles législations en vigueur concernant le codage et le recueil des données, car celles-ci ont un impact sur le traitement de l'information. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la diversité des tâches, l'approfondissement des connaissances personnelles via les formations régulières, qu'elles soient médicales ou techniques. Ce métier me permet également de bien connaître l'activité médicale de l'établissement. Travailler à la clinique du Terre est plaisant, surtout lorsqu'on y travaille depuis plusieurs années. Cela crée du lien. Le relationnel dans ce métier est très important. Une bonne collaboration et une relation de confiance peuvent ainsi s'établir avec les différents services et les cabinets médicaux, qu'ils soient sur site ou extérieurs.